Schéma les amis, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Brookhaven. Alors, il y a de l'avancement au niveau de l'histoire de Brookhaven. Vous avez été très nombreux à me laisser des commentaires. Bon, la vidéo sera pas postée le jour même puisque je vous ai déjà posté deux vidéos. Je me suis dit, bon, je vais pas abuser. Donc, cette vidéo sera probablement postée le dimanche. On va pas trop discuter, on va avancer parce qu'il y a vraiment du lourd à vous montrer ici. Donc il va falloir récupérer le sorte de symbole de monster. Alors je sais qu'il y a des gens qui m'ont dit en commentaire que c'était un bout de la pyramide. Alors je crois que j'ai zappé quelque chose dans l'histoire puisque la pyramide je vois pas ce que c'est. Mais en tout cas vous allez voir, donc vous faites spawn la maison, la nouvelle maison qui n'est pas premium, donc celle-ci. Et vous rentrez dedans, donc là elle va charger. Et il va falloir monter au niveau du toit pour aller récupérer le fameux objet. On va aller le chercher. C'est tout simple, au premier étage, de toute façon vous voyez qu'il y a une petite trappe au niveau du plafond, vous cliquez dessus, sautez dedans, ça va monter la trappe, ensuite vous allez au fond, non pas au fond, qu'est-ce que je raconte, pas le coffre-fort que je vous montre là, mais excusez-moi pour le téléphone, là vous avez le petit symbole monster, alors je suis désolée, je vais l'appeler le symbole monster, ça me fait trop penser au monster, hein. Vive Lewis Hamilton, j'adore, alors faut l'enlever sinon on va pas pouvoir avancer. Et là vous allez remarquer que au niveau de l'écran du PC portable, vous avez le sync à FileHead, voilà, exactement, qui apparaît lorsque vous prenez cet objet à partir de là sur le PC. Il y a ce message. Ensuite, il va falloir descendre en bas, oups, je me suis trompée, va falloir descendre en bas et va falloir monter au niveau de l'église, sur le toit de l'église. Vous allez voir, on va y aller très simplement en accédant par le bâtiment à côté. Vous prenez la petite échelle, vous la posez, hop, mince, je l'ai posée un peu trop près. Vous la posez ici, vous montez. Ah ouais, waouh, waouh, je sais pas, j'ai été propulsée dans les airs, je n'ai pas compris. Ensuite, on y va au niveau du toit et là, vous allez remarquer qu'il y a un petit symbole. Il va falloir appuyer dessus. Alors là, petit détail important, si vous n'avez pas récupéré l'objet, celui-ci dans la maison, vous ne pourrez pas activer ce petit bouton. À tester, mais je pense que ça fonctionne aussi, vous avez la grotte du lac Madison et au fond de du lac Madison, de la grotte, il y a également ce petit symbole. Je vous le montrerai en bonus à la fin de la vidéo pour ceux qui ne savent pas se situer. Mais voilà, il faut au moins un symbole comme ça, sinon vous n'arrivez pas à activer ce petit bouton. Donc regardez bien la forme, parce que honnêtement, moi ça me fait penser à des gens qui disent que c'est une flèche. Honnêtement, je ne trouve pas forcément que c'est une flèche, mais ça ressemble beaucoup à la petite île qu'il y a au niveau du lac Madison. Hop, je vais, bim, appuyer sur le bouton des funérailles juste en dessous. Et là, lorsque vous regardez, eh bien, il y a le même symbole qui est juste ici, qui est allumé. Et là, attention les amis, parce que là, c'est le plus gros truc. C'est un truc de fou. Vous cliquez dessus et bim, ça vous téléporte en haut de ce... de ce monument, je ne sais pas trop comment on peut appeler ça. Je dirais une sorte de portail. Et lorsque vous allez sur votre... Parce que, attention, ce n'est pas fini les amis, ce n'est pas fini. Il y a des gens qui disent qu'il faut se déplacer, aller sur le PC et il y a un message qui s'affiche. Mais regardez, hop, vous n'avez même pas besoin de bouger. Parce que regardez, connected. Voilà, c'est connecté les amis. Le PC est connecté. Et il n'y a plus le sync FileHead dessus et ça nous a téléporté ici. Donc je commence à me poser des questions réellement sur, sur ça en fait, sur ces monuments là, ces sortes d'écrous. Ça doit être, je sais pas, des portails spatio-temporels. Enfin, il doit y avoir quelque chose avec ces sortes de portails. C'est vraiment, vous voyez, regardez la ville, toute la ville a été créée entre les deux portails. En dehors des portails, il y a la maison abandonnée et là où il y a le ranch et tout. Enfin, je sais pas, mais il doit y avoir quelque chose avec ça. Maintenant, on va aller au niveau, parce que ce n'est pas fini, on va aller au niveau de la grotte, voir s'il y a un changement. En plus, c'est vraiment pas loin, c'est juste là. On va aller voir s'il y a un changement au niveau des boutons qui s'allument. Vous vous rappelez les boutons, les petits boutons, les petites LED qui s'allument au niveau du QG là, de la Secret Agency. Car apparemment, je crois que ça active un LED. C'est la première fois que j'allais vérifier, parce que la dernière fois que j'ai fait ça, j'ai pas été vérifié. Mais vous voyez, regardez ça, la Secret Agency. Et lorsque vous venez là, voilà, ça active le cinquième bouton.
À savoir que le deuxième qui s'active, c'est lorsque vous faites tourner le film au niveau du cinéma. Donc là, on a découvert deux boutons. Je ne vais pas le refaire dans cette vidéo, hein, mais on a découvert deux boutons au niveau de la Secret Agency. Qui est pas mal, ça veut dire qu'on avance. Bon, il en reste 5. Je pense qu'en fait, les prochains, ça sera peut-être dans les prochaines mises à jour. Il ne faut pas tout nous donner en même temps. Mais on a pu découvrir ça maintenant pour le reste. Ah oui, ça également. Ça, les amis. Là, merci beaucoup. Parce qu'il y a des gens qui m'ont dit en live que je faisais du fake. Non, non, c'est vraiment le message. De toute façon, vous avez qu'à regarder les youtubeurs américains. Ils ont fait des vidéos dessus. Ils ont exactement le même message que moi. Donc, ce n'est pas un message que moi-même j'ai noté dessus. En plus, je suis sur serveur privé. Donc, enfin, quel intérêt pour moi de vous mentir là-dessus. En tout cas, ce message n'est pas fake. C'est le nouveau message maintenant qui s'affiche au niveau du tableau. Rappelez-vous, avant, il y avait 1, plus 2, plus 3, plus 4, plus 5, moins 6. Enfin, je sais plus, il y avait un bail comme ça, moins 1, ça rien. Enfin, il y avait un autre calcul totalement différent. Et là, le message a changé. Maintenant, c'est celui-ci qui apparaît. On avait déduit en live que ça, c'était le signe de pi. Pi, que le R voudrait dire peut-être rayon. Et 2 divisé par 2. Il y a des gens qui ont dit que c'était 14, enfin c'est 4,14, un truc comme ça, mais honnêtement je suis pas sûre qu'on soit sur la bonne voie au niveau de ce chiffre, parce que 4,14, moi je n'arrive pas à trouver qu'est-ce que ça voudrait dire. En tout cas les amis, on avance au niveau de l'histoire, là la LED elle est activée, j'avais pas vérifié ça la dernière fois que j'avais fait cette petite technique d'aller au niveau de l'église, le téléport ça reste quand même insane. Maintenant pour les gens qui demandent, je vais vous montrer le symbole, je vous ai déjà montré dans l'autre vidéo, mais si vous n'avez pas vu l'autre vidéo, voilà, un petit bonus sur celui-ci, je vais vous montrer un scooter qui part à 70 km/h, on adore, et on va aller au lac, on va aller au lac Madison, oh, il est là. Non, il n'est pas là, il est ici, voilà, à côté de l'école. Donc, regardez bien, je vous ai parlé tout à l'heure du bouton qui était sur la sorte de cheminée au niveau de l'église. Enfin, c'est pas la cheminée, c'est là où il y a la cloche. Franchement, dites-moi les amis, le bouton a exactement cette forme. Pour moi, c'est pas une forme d'une flèche, entre guillemets. Même si ça peut faire penser à une flèche. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disaient, ouais, c'est une flèche et tout. Et moi, ça me fait penser à ça, hein. Vraiment, c'est vraiment le signe du bouton. Je suis sûre, il y a quelque chose qui doit se passer ici à un moment donné. Je sais pas, il y a peut-être creusé en dessous. Il y a peut-être quelque chose en dessous de cette flèche. Enfin, pourquoi d'ailleurs, est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose de caché en dessous de cette dune de sable? Ce serait fort probable, regardez, là c'est pas naturel, pourquoi il y a un petit bout de sable qui dépasse au niveau du lac? Pourquoi? C'est pas immergé sur l'eau. Peut-être qu'il y a quelque chose qui a été enterré en dessous, et c'est pour ça qu'il y a une bosse au niveau du lac Madison. Bien sûr, ce sont des suppositions et des hypothèses que pour le moment j'essaye enfin, je vous en parle, mais il y a aucune... Enfin, ça se fait, ça n'a rien à voir, mais peut-être que c'est ça, je ne sais pas. En tout cas, hop, on va aller au niveau... de la grotte dont je vous avais parlé, la grotte du lac Madison est là. Ça me fait trop rire de pouvoir rouler en scooter dans un lac. Voilà, juste ici, vous voyez, là où vous avez le sorte de symbole. Je sais pas vous dire si le fait d'avoir récupéré les deux, ça change quelque chose, si c'est pas les mêmes symboles. Enfin, selon moi, c'est les mêmes symboles, parce que si on le récupère, ça se stack au même niveau. Vous voyez, juste ici, ça se stack au même niveau que le symbole qu'on a récupéré dans la maison. Mais pourquoi ils en ont mis deux? C'est ça que je ne comprends pas. Si c'est les mêmes, pourquoi il y en aurait deux? Et ça, pareil, je me pose la question. Enfin, je me dis, mais il y a quelque chose derrière peut-être aussi, ou peut-être qu'en fait, je me prends la tête pour rien et que c'est juste... Je sais pas. J'en sais rien. En tout cas, il y en a deux. Et voilà. On va sortir de cette grotte puisqu'elle est un peu glauque. Ah, regardez, c'est quand même beau. Attendez, il y a une sirène qui va se ramener. On est à la pleine lune au niveau de la grotte. Voilà, comme je vous avais dit, le symbole pour moi, c'est celui-ci, celui qui s'affiche. C'est obligé, c'est celui-ci. C'est exactement la même chose, regardez, enfin, regardez, sur l'église, il était dans ce sens-là. Voilà, vous voyez, regardez, imaginez, il est de face à nous, il était exactement pareil. C'est obligé, c'est ça, il y a un truc ici, 100%, il y a un truc, enfin 99,99%, hein, on se laisse 0,01% de bénéfice de doute.
Mais vraiment, là, les amis, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Moi, si vous êtes d'accord avec moi, si vous avez d'autres théories, moi, ça m'intéresse de ouf. Mettez tout ça en commentaire. Et bien, écoutez, je pense qu'on va se laisser là. J'ai rien d'autre à ajouter pour le moment. Je rajouterai des vidéos aussi si on arrive à trouver d'autres choses. Comme d'habitude, n'hésitez pas à commenter. Et si vous, vous trouvez des choses, parce que souvent, c'est grâce à vous que moi, je peux avancer dans l'enquête. Donc, merci beaucoup à vous. Et écoutez, les amis, à très bientôt. Bisous à vous et ciao, ciao.